C'était pire. Hey. Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire des wraps. Oui, c'est simple à faire, je me suis dit. Je vais en faire à mes parents, vu qu'ils travaillent et que moi, ma classe est exceptionnellement est fermée. Du coup, je me suis dit, je vais leur faire à manger. Donc là, mes parents doivent se dire, il a un truc à nous demander. C'est totalement vrai, j'aimerais un Mac. Mais bon, je sais pas s'il viendra. En apéro, j'ai acheté des petits... Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, des tortillas. Ça dégage. Avec une sauce mexicaine, comme ça. On discute, on papote, petit apéro. Pour avec l'apéro, il faut forcément à boire. Donc je vais leur faire un petit mojito. Hop là. Non, du coup, on va faire du poulet que je vais frire avec de la chapelure tipiak. On va faire une sauce guacamole pour les wraps maison. Donc j'ai des citrons et j'ai de l'avocat, du coup, forcément. La salade verte, un petit poivron. Allô? Oui, tu rentres vers quelle heure pour savoir quand je commence à faire à manger? Ah oui, donc on part sur... Du coup, on va commencer avec le guacamole. Alors, je suis un pro du guacamole. J'en ai ras le cul, j'aurais dû acheter des avocats tout faits là. Moi, je vais faire des trucs à la maison, ils n'arrivent même pas. Merde. Enfin, je me débrouille plutôt pas mal pour faire des guacamole en général. Donc, c'est pas hyper compliqué à faire, tu vas me dire. Déjà j'ai mal coupé mon avocat, donc déjà c'est super, il veut pas se couper en fait. Ça commence à me gaver déjà. Il veut pas partir ce noyau à la cour. C'est une blague. Genre mon noyau il s'est... Genre il est resté coincé mais putain il me gave. L'avocat c'est hyper simple normalement à enlever. Genre tu prends juste la cuillère et normalement ça part, sauf que là... Étant donné qu'il est pas très mûr... One eternity later. Après m'être battu avec mon avocat, j'ai enfin réussi. Pas très pro de s'asseoir pour faire à manger, mais bon, écoute, on est entre nous, c'est bon. Du coup, j'écrase les avocats s'ils veulent bien, parce qu'ils ne sont pas mûrs, ça va vite m'énerver. Oh ! J'en ai ras le cul, j'aurais dû acheter des avocats tout faits là. Moi, je vais faire des trucs à la maison, ils n'arrivent même pas. Oh ! Et sinon, je leur sers ça, hein, des avocats. Pas mal. En soi. Ah, c'est bon, ça commence un peu à se ramollir, encore heureux parce que j'avais pas que ça à foutre. Du coup, j'ai remis mon avocat à chauffer pour qu'il soit un peu plus ramolli encore. J'ai réussi un peu à l'écraser, mais voilà. Donc là, je viens couper mon citron et après, j'en ai juste pressé du citron sur l'avocat pour que ça fasse un guacamole un peu acide. Et je mettrai des épices, je mettrai un peu de piment ou un truc comme ça parce que... du chili parce que moi, j'aime bien quand c'est relevé et du coup, ben voilà. Quelqu'un de très cultivé a dit un jour... Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y avait pas de problème. Attends, non, c'est pas ça. Attends. What? What the fuck? J'aurais au moins essayé au pire. L'essentiel, c'est de participer. Moi, je me dis toujours ça. Donc, voilà. Mais ça va avec la bouche moi dessus, je te dirai rien. J'aime tellement le citron, je vous jure. Genre, je peux en manger comme ça, j'aime trop. Je sais pas pourquoi, hein. J'ai rajouté un élément indispensable, le Maggi. C'est ma passion, le Maggi. Genre, je pourrais manger ça avec tout. Vraiment, même juste des pâtes avec du Maggi, pour moi, c'est un festin. Genre, j'aime trop le Maggi, c'est trop bon. En fait, c'est pas mauvais. Mais genre, c'est pas... waouh, quoi. Et voilà mon guacamole. Donc, maintenant, je vais... frire mes poulets. Du coup, j'ai pris des œufs. C'était pire. Ah oui, donc, it's a prank là par contre, c'est un gros prank. Oui, d'accord. C'est une blague. Bref, du coup, je vais essayer de la récupérer après comme je peux. Du coup, il faut casser les œufs. Dans un récipient. L'œuf, ça me dégoûte. Dans le premier bol, j'ai des œufs. Mais c'est une plaisanterie, là, par contre. Je suis vraiment le roi des cons. Donc, dans un bol, j'ai mis mes œufs que je vais un peu battre. En
ensuite dans une des assiettes qui est devant vous, je vais mettre de la chapelure. Déjà typique, vos emballages pas ouf hein. J'en ai tellement marre de moi, je vous jure. C'est fatigant. Genre je l'ai ouvert en entier alors qu'en fait là il y avait une ouverture. Juste pour faire comme ça. Ça me saoule, j'en ai ras la casquette là, j'en peux plus. Et dans la troisième assiette, on va mettre de la farine. Mes petits poulets. Est-ce que je coupe? Je vais couper comme ça. Je les coupe en deux. Comme ça. Ou est-ce que je les coupe encore en deux? Pour faire genre des petits bouts. Parce que là, j'ai peur que si on mange, genre il y a tout qui vient avec. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois dans les sandwichs, ça m'arrive plein de fois, ça me saoule. Du coup, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans la farine tourner le poulet. Le bout de poulet. Pour qu'il soit du coup totalement blanc. Ensuite, on va le mettre dans l'œuf. Il faut bien l'imbiber d'œuf. Dans la chapelure. Et du coup, ça me donne ça. Exactement ça. Et je le mets dans la casserole et ça sera à frire après. Voilà. Ça fait trop rire. Genre, ça colle, mais de ouf. Eh, ça me débecte. Et voilà mes poulets qui sont complètement frits. Et que du coup, bah, je vais faire que... Alors, les tomates... Bah, concrètement, on va faire des rondelles, hein. Oui. Donc, elle est déjà pas belle, celle-là. Et le reste ira dans une salade, la salade que je vais faire à part pour manger des wraps. Ouh, j'ai d'être ça pour celle-là. Pardon, excusez-moi. Ensuite, j'ai un poivron, mais je sais pas ce que je vais en faire en vrai. Du coup, je vais mettre de la salade pour mes wraps. Je les coupe ou pas? Ouais, je pourrais quand même un peu les couper. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cuire mes poulets. Genre pas tous ensemble, je les ai séparés parce que j'ai un peu peur que tous ensemble, ils étouffent. Du coup, ça se présente comme ceci. Mon guacamole, je mets sur la crêpe et j'étale bien. Ensuite, je viens poser la salade. Et c'est ce que j'ai oublié de faire pour mes poulets, j'ai oublié de les assaisonner. Merde. Bah tant pis. Ah, donc après que mes poulets soient cuits, je mets deux bouts de poulet et mes tomates pour plier le wrap. Donc il faut bien plier les côtés histoire d'avoir la garniture. Et après, on vient rouler. Il faut bien compresser. Pour pouvoir faire ça. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je viens du coup le couper en deux. Et comme ça, ça fait deux wraps. Voilà, tout mims, tout beau, prêt à être mangé. On n'a rien vu, c'est pas sorti, non, pas du tout. Du coup, voilà, en général, on peut mettre un petit pic aussi là-dessus pour que ça tienne, justement, comme, pas comme là. Mais du coup, voilà quoi. Et du coup, en vrai, ce que vous pouvez mettre avec, vous pouvez mettre de la mayonnaise. Moi, j'en ai pas mis parce qu'on n'est pas trop mayonnaise dans la famille. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes, des carottes, des cornichons, enfin, ce que vous voulez. Je vais encore faire une petite deuxième. Hein. Je mets la crêpe, donc j'étale avec du guacamole. Je mets des feuilles de salade. Je mets deux, merde, deux bouts de poulet. Et je vais mettre des tomates. Je roule comme ceci. Et après, je viens avec l'extrémité. Et je serre bien le tout. Je viens bien serrer le tout. Voilà. Donc là, c'est bien serré. Et je viens couper. Et voilà. Bon, c'est un peu galère à manger. Hein. En tout cas, ils sont bons. Hein. Bref. Bah voilà, les gars. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
J'espère que vous aimez bien quand je fais à manger, même si c'est un peu un bordel. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !